Marie-François, nous sommes ici chez vous, à la pataterie de Saint-Dié-des-Vosges. Nous sommes là pour un premier bilan, parce que ça fait presque un an que vous avez ouvert ce restaurant. Alors, comment ça se passe? Alors, ça se passe plutôt bien, plutôt positivement. On fonctionne très, très bien. On a vraiment une clientèle qui devient de plus en plus fidélisée. On a encore des clients qui nous découvrent au bout d'un an, donc on trouve ça génial. Non, ça se passe bien. On est très contents, en fait, de s'être installés sur Saint-Dié-des-Vosges. Elle vient d'où, cette clientèle? Alors, c'est une clientèle de passage et une clientèle de proximité. Alors, on a une clientèle qui vient aussi d'Alsace, de Saint-Dié, des alentours de Saint-Dié. Et puis, on a une clientèle de passage qui vient par le biais, en fait, puisque la franchise, la pataterie, c'est une franchise. On a 102 ouvertures qui ont été faites. Donc, en fait, les gens commencent à connaître l'enseigne et circulent. Vous faites de la promotion, vous faites de la communication, de la publicité pour être connu? Alors, il y a au niveau de l'enseigne La Franchise de la Pataterie, en fait, des offres qui sont définies avec un calendrier que toutes les patateries suivent ou ne suivent pas. Nous, on participe en fait à ce que la franchise, le réseau nous demande de faire et on s'adhère à ce qu'ils font. Voilà. Et puis également des actions de fidélisation de la clientèle. Oui, alors aujourd'hui on a une carte fidélité à la pataterie qu'on tamponne quand les gens passent nous voir et ça leur donne 15 euros d'offert sur l'addition suivante quand elle est remplie. On peut revenir sur le taux de fréquentation du restaurant. On a eu un été pas terrible, il faut le dire, qui était pluvieux. Malgré tout, vous avez bien travaillé? Alors nous, on a très bien travaillé cet été. On a aussi une terrasse qu'on a ouverte pour les beaux jours, qu'on a refermée un peu trop tôt peut-être cette année puisqu'on ne pensait pas avoir d'aussi grosse chaleur actuellement. Donc c'est quelque chose qui a bien plu à nos clients et qu'on compte renouveler tous les ans maintenant. Le ticket moyen, le prix moyen d'un repas à la pataterie, c'est combien? Alors à la pataterie, le ticket moyen se situe entre 15 et 16 euros aujourd'hui. Voilà, alors c'est un ticket moyen qui est relativement accessible. On peut manger pour moins cher puisqu'on a des premiers prix d'appel à 6,95. On est ouvert 7 sur 7, midi et soir, donc il n'y a pas de souci à se faire. L'activité est toujours présente, on est toujours là, donc les gens peuvent venir quand ils le souhaitent. Et puis on a une carte, vous avez une carte qui change bien deux fois par année, deux fois par an. Oui, oui, on a une carte hiver, une carte été, donc elle change tous les 6 mois environ. Donc cette carte été, bien entendu, un peu différente, un peu, avec des repas un peu plus légers, puis je dirais accompagnés beaucoup plus de salades que l'hiver. Et cette année, on a même rajouté, pour ces fortes chaleurs, un complément de carte salade. Un mot sur le personnel, Marie-François, vous avez embauché combien de personnes ici? Alors nous, aujourd'hui, on a une équipe de 12 personnes en temps plein, accompagnées en plus d'extra sur les week-ends. L'activité est plus forte au niveau du week-end, donc on a des personnes extra qui viennent compléter cette équipe. Alors ça marche plutôt bien pour vous, quels sont vos projets actuellement? Alors oui, ça va très bien, notamment nos projets dans très peu de temps, c'est d'ouvrir une seconde pataterie. Carrément. Sur l'Alsace. Oui, 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 ça y est, on a la date d'inauguration qui se fera le 21 novembre en Alsace. Donc on ne peut pas se plaindre, je dirais qu'on ne va pas se plaindre, ça va plutôt très bien. D'accord, bah, écoutez, bah, merci, bonne continuation Marie-François, vous à votre époux, et on se retrouve dans un an pour faire avec un autre, grand plaisir, donc ça pourra se faire ici ou en Alsace, comme merci. Vous souhaitez. Voilà, régalez-vous, messieurs dames.